Le rituel de remise de galons et insignes aux officiers généraux des forces de défense inscrits au tableau d'avancement pour le compte de l'année 2024. L'événement, empreinte de solennité, est présidé par le chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, ainsi donc conformément au décret numéro 0063/PT/PR/MND, 4 promus nommés pour prendre rang et appellation de général de corps d'armée, général de corps d'armée aérienne, vice-amiral d'escadre ou médecin général. Cet autre récipiendaire pour prendre rang et appellation de général de division aérienne et médecin inspecteur. Enfin, 21 nommés pour le grade de général de brigade aérienne, contre-amiral ou médecin général. Membres des forces armées gabonaises, de la gendarmerie nationale, de la garde républicaine, de la sécurité pénitentiaire et du gouvernement de la transition, ces impétrants se doivent de maintenir le lien d'une armée au service de la nation, impulsée le 30 août de l'année dernière, une dynamique pour restaurer la dignité du peuple gabonais afin de consolider la cohésion sociale, la paix et le développement inclusif.